que vous allez bien. Bienvenue. Hein? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le 8 décembre, il est actuellement midi 34. Il me reste 34% de batterie, ça tombe bien. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi, je n'ai pas cours, même si j'ai beaucoup, beaucoup de partiels encore cette semaine-là. J'ai un partiel jeudi, j'ai un partiel vendredi prochain. C'est mes gros partiels. Donc il faut vraiment pas que je les loupe parce que sinon je vais louper mon année à cause de ça. Donc aujourd'hui j'ai envie d'aller faire les quelques cadeaux de Noël qui me restent. Donc j'en ai quand même acheté pas mal des cadeaux de Noël cette année. Et il me reste quasiment... Birdie qui boit. C'est fou hein. On s'en lasse pas hein. Bah non. Pour la télé elle est toujours là. En même temps ça fait que 2-3 jours après que je vlog, donc ils ont toujours pas rappelé. Moi ça me convient, moi je m'en fous parce que en soi je le vois pas le petit point vert. Je suis en pleine période de mère nature là, de ragnagna. Je pense que vous l'avez vu sur mon vlog dernier, j'étais à bout, j'étais sur les nerfs et j'avais aucune patience. Donc il y a encore pas mal de cartons dans l'entrée, enfin ils ont pas bougé les cartons, hein, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Vous êtes toujours, et par contre je trouve ça super bien, sur la petite bouteille de Grimbergen. J'ai pas mal de choses à faire. Après le programme des prochaines semaines, ce sera donc tout ce qui est cadeau de Noël. Moi j'y vais pas le week-end parce que oh là là, j'ai voulu poster un colis samedi dernier, mais MDR que c'était compliqué. Il y avait beaucoup de gens, j'ai fait la queue, j'ai mis 40 minutes pour aller poster mon colis alors que j'y suis en 5 minutes. Je me suis dit c'est pas possible. Donc là je vais y aller à pied je pense au centre commercial Belle Épine. En voiture j'ai peur qu'il y ait des gens et tout, même si on est que mardi, mais je préfère au cas où, comme ça je suis tranquille. Donc j'ai envie d'aller à Primark parce que dans tous les cas je dois aller acheter des cotons parce que je n'en ai plus. Des cotons tiges aussi, je n'en ai plus. J'aimerais bien voir aussi ce qu'ils font pour tout ce qui est tenue de Noël, parce que pour Noël notre dress code c'est pyjama hyper kitsch. Donc faut que j'en trouve un pour moi, un pour mon copain. Donc j'espère que ça lui ira parce que les tailles là-bas c'est un peu chelou. J'aimerais bien faire un petit tour dans tout ce qui est déco, etc. Regarder un peu les nouveautés parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait les magasins, enfin depuis que c'est terminé quoi. Donc ça me manquait un petit peu. Donc là je ne suis pas habillée, pas maquillée. Vous pouvez voir, je suis toujours avec mon pull panda, ça ne bouge pas, ça ne... toujours présent, je l'avais acheté chez Undies. Et dans l'appartement c'est le bordel, comme d'habitude. On peut pas avoir un appartement genre clean pendant plusieurs jours. Le lendemain c'est sûr et certain que c'est le bordel. Hier j'ai fait un petit gâteau à la banane, c'est celui que je vous montre à chaque fois. Super bon, je vous montre un peu l'intérieur, comment c'est. Donc d'abord je fais une pâte sans chocolat, donc avec la banane etc. Ensuite je mets des gros morceaux de tablettes de chocolat dessus. Ensuite je mets une autre pâte avec du chocolat et je mets des petits carrés de chocolat au dessus. Je trouve ça super bon. Tu le laisses fondre un petit peu au micro-ondes. Mama c'est trop bon. C'est avec un petit café, un petit thé, un petit verre de lait. Et voilà, ça se fait ton petit déjeuner. La cuisson c'est 45 minutes, c'est assez long, mais en tout cas c'est hyper bon. Je vous avais remis la recette en barre d'infos la dernière fois. Je pense que je vais essayer de vous la remettre en barre d'infos si je la retrouve. Mais vraiment trop trop bien. Pour les calendriers de l'avant, il y a mon copain qui est trop content de ses My Muesli parce que tous les matins il prend son My Muesli. Et franchement, rituel, je suis super contente. Je découvre des nouveaux produits et vraiment j'adore. Franchement, c'est un très très bon calendrier de l'avant. Ainsi que le Kills, il est génial, même le Look Fantastique. Je découvre des marques que je ne connais pas. Donc je suis super 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 contente de ces calendriers de l'avant. Le My Muesli, je l'avais déjà découvert donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vraiment très bon calendrier de l'avant, je regrette pas du tout. Bon pour les petits soins habituels là, là j'ai mes règles comme vous pouvez le savoir, ça fait 5 fois que je le dis. Je trouve que ça va au niveau de ma peau, c'est ch'tard sur ch'tard sur ch'tard. Donc je suis en train d'essayer ça en ce moment. C'est donc la lotion que j'ai reçue dans Look Fantastic, Radial, Dragon's Blood, voilà. Donc c'est un truc où tu mets un coton et ça te nettoie ta peau. C'est hyper frais et tout, franchement. T'as une odeur chelou. Je sais pas ce que c'est comme odeur, mais j'espère qu'il y aura personne à Belle Épine. La peau réveillée est dégueulasse. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. C'est dégueulasse. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets donc cette gamme-là. Je l'ai bien finie, hein, vous pouvez voir. Je sais pas si vous allez voir si le focus va se faire. Mais ça en est où, là? Ça arrive jusque-là, là. Et là, pareil. Franchement, j'ai bien vidé, hein. Bon, je me suis fait un petit make-up, je suis un peu blanche. Ouais, je sais pas si ça change quelque chose. J'ai pas touché à ma peau, j'ai pas mis de fond de teint et tout parce que...
Oh, le masque, ça sert à rien. J'ai utilisé ça, je sais pas si je vous ai montré dans un vlog les nouveautés Kiko et tout que je me suis acheté. Je ne pense pas, donc je vous ferai ça à la fin de la vidéo, juste après que j'ai fait les cadeaux de Noël. Mais c'est des petits traits d'eyeliner pailletés et tout, il y a doré, il y a rouge, il y a vert et tout. Et je teste en ce moment et j'adore la... Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est un brun doré pailleté. En vrai, on le voit super bien, c'est super joli. Donc moi, j'aime beaucoup. En plus, en ce moment, il y a des promos genre... 3 achetés, 3 offerts, donc j'ai fait un craquage total. Bon, je vais aller faire les magasins. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a et tout avec mon téléphone. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens, mais je vais vous filmer un peu tout ça avec une qualité, voilà, avec la qualité de mon téléphone. Hein, parce que j'ai pas envie d'amener ma caméra, ça va être pas très 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 discret. J'aurais dû y aller en voiture parce que c'était vraiment très très lourd les sacs. Et donc je suis allée chez Primark, H&M, Maison du Monde, je sais si c'est Norma, je sais pas ce que c'est le magasin. Je vais vous montrer mes achats de chez Kiko et Kiehl's et après je vous montre ce que j'ai pris, hein, tout ce qui est un peu verdique, voilà. Tout ce qui est Noël. Donc alors chez Kiko il y a le 3 achetés, 3 offerts. Donc j'ai pris pas mal de petites choses en fait que je voulais depuis. Ça va, Chiquette? Tu bois trop vite à chaque fois. J'ai pris pas mal de choses que je voulais tester depuis pas mal de temps. Alors chez Kiko, j'ai pris des espèces de feutres. Alors je sais pas si j'aime vraiment, j'ai un petit doute. C'est des feutres comme ça. Donc c'est des feutres, littéralement des feutres que tu mets sur tes lèvres. Donc j'ai pris le numéro 103 et le numéro 105. Alors je suis pas sûre d'aimer parce que en fait ça fait bien, genre c'est sans transfert et tout. Sauf que dès que t'as des petites gerçures et tout, c'est pas très très joli parce que ça fonce au niveau des gerçures. Donc je sais pas si je peux vous le conseiller. Donc c'est le Long Lasting Color. Donc c'est cela, je vous mettrai en barre d'infos dans tous les cas si ça vous intéresse. J'ai pris ensuite pas mal de liners que je voulais tester depuis pas mal de temps, donc j'en ai pris un normal marron. Je trouve ça trop trop beau les liners marron, je trouve ça beaucoup plus naturel et ça fait beaucoup plus joli. Ensuite j'en ai pris un, ça c'est pailleté, donc c'est un, je crois que c'est celui que j'ai sur les yeux actuellement. Le numéro 116, vraiment très très belle couleur, hein, j'aime beaucoup. J'ai pris ensuite du vert sapin, donc le numéro 104, il est trop beau, donc aussi pailleté.
Le numéro, ça je ne l'ai pas encore testé, 101, c'est le doré. Je pense qu'il va être pas mal du tout. Donc c'est celui-ci. Et j'ai pris aussi en feutre normal un marron. Donc voilà, un feutre normal. Les autres, c'est un peu plus liquide. Ensuite, pour tout ce qui est rouge à lèvres, j'en ai pris pas mal de Kiko parce que j'adore leur collection de Noël. J'en commande une fois par an des rouges à lèvres chez Kiko parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pris le premier coffret. De base, c'était pour ma sœur. Sauf que je pense pas qu'elle va aimer. Donc je les ai pris pour moi. Donc j'ai pris ces trois teintes-là. Donc c'est un petit rose violet. Donc ça, c'est le numéro 2. Le numéro 1. Ah ouais, c'est pas du tout la même couleur, hein. Genre là c'est du violet et là c'est un rose corail. Il est super joli. Ils sont super crémeux. Hein. Et là le numéro 3, c'est un peu plus foncé. À chaque fois, ouais, c'est un peu plus foncé. Trop trop beau. C'est un peu un taupe. Taupe rosé. Il est super joli. J'ai pris ensuite un rouge pailleté. J'en ai déjà un comme ça, mais c'est pas du tout la même couleur. Donc là c'est un rouge foncé pailleté, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Il est trop 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 beau, le packaging est magnifique. Et regardez là, le raisin comment il est beau avec des petites étoiles. Magnifique, franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Et le packaging à chaque fois est sublime. Je trouve que ça fait un super beau cadeau. Donc ça c'était le numéro 3. Le numéro 2 c'est celui-ci. Donc ça c'est un normal, il n'est pas pailleté. Donc c'est un nude, il est trop beau. Nude marronné quand même. Hein. Le numéro 1 pailleté cette fois-ci. Oh, il est trop beau. Il a un peu duochrome. Je sais pas si vous verrez. Il est à la fois doré et marronné. Je sais pas. Oui, rosé. Genre, c'est hyper chelou, mais c'est super joli. Là, c'est le numéro 4. Donc, ça aussi, un rouge. Je vais voir la différence avec l'autre. Il est trop beau. Ah oui, celui-ci, il est un peu plus foncé que celui-là. Ouais. Donc, c'est le numéro 4. Et j'ai pris le numéro 3 en normal. Donc c'est un petit rose. Mais vraiment très 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 belle gamme. Franchement, 3 achetés, 3 offerts. Je crois qu'en tout j'en ai eu pour 45€ pour les deux commandes. Parce que j'ai fait en deux commandes pour avoir à chaque fois 3 achetés, 3 offerts pour qu'il y ait à peu près les mêmes prix. Donc vraiment super contente de mon choix chez Kiko. À chaque fois je commande une fois par an comme je vous dis. Et à chaque fois je suis hyper, hyper satisfaite. En plus il y a le cashback de eBay Club et de iGraal. Je crois que c'est 5 ou 6%. J'ai eu donc 3 ou 4 euros dans ma cagnotte iGraal. Donc voilà. Ça je vous l'avais déjà montré ou pas, je ne sais même plus ce que je vous montre. De toute façon suivez-moi sur Instagram. Comme ça je vous montre un peu plus ce que j'achète au fur et à mesure. Parce qu'avec YouTube je ne sais plus du tout ce que je vous montre. Ça je l'ai acheté sur AliExpress. Donc là j'ai pris ça en emporte-pièce. Donc en fait ça va faire un espèce de sapin. Donc tu mets les étoiles en quinconce, après ça te fait un petit sapin, mais ça fait assez joli. Donc on va essayer ça. On va faire bientôt les biscuits de Noël. Donc j'ai fait une commande aussi chez Kiehl's. J'avais des bons de 10€, je sais pas trop quoi. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis pris, ah ça je l'ai reçu dans le calendrier de l'avant MDR, donc j'en ai deux. En fait il y avait une promotion genre si tu achètes un produit tu as toute une autre gamme de soins offerte. Le micro peeling, alors ça c'est vraiment un truc que je veux tester depuis pas mal de temps. Donc c'est celui-ci de peeling que j'ai pris, donc de la marque Kiehl's. Il se présente comme ceci. Donc je ne sais pas trop comment l'utiliser, je vais lire un peu tout ça. Là, il dit juste d'appliquer chaque soir avant votre crème hydratante en évitant le contour des yeux. Tout ce que je vais vous montrer je ne sais pas payer, mais je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'avant. J'ai un doute. Mais je crois que j'ai eu ça dans le calendrier de l'avant. C'est un tonique sans alcool avec des fleurs et des je sais pas quoi. J'ai aussi une crème pour la peau. Je sais pas, c'est pas une crème pour les yeux. Donc c'est une petite, hein, c'est vraiment pour tester. J'ai eu aussi un cleaner facial. Donc voilà, un petit cleaner comme ceci. Le Midnight, ça je l'ai aussi reçu dans un calendrier de l'avant, ça coûte super cher ça. Hein. Le Midnight Recovery Eyes, donc c'est un contour des yeux de nuit. Et à ce qui paraît, il est super bien. J'ai eu des échantillons. Ça, c'est quoi? Le sérum. J'ai eu des sérums. Et je me suis acheté donc le Midnight Recovery. Mais ça, cette fois-ci, c'est pas pour les yeux, c'est pour tout le visage. Et à ce qui paraît, il est génial. Tout le monde en parle. Tout le monde dit que c'est génial. Donc écoutez, ça coûte très très cher, je trouve. Donc bon, j'espère que ça va vraiment fonctionner. Donc voilà pour Kiehl's et pour Kiko. Je vais ranger tout ça après. Et je vais vous montrer donc les petits produits que j'ai achetés. J'ai acheté ça chez H&M Home. Donc ça coûtait 7€. Je crois que c'était avec la taie. Donc c'est du 100% coton, 50 x 50. 7,99€. Je trouve ça vraiment pas cher. Ils m'ont pas fait payer le coussin. Alors je sais pas si c'est un oubli ou si c'était avec. Mais en tout cas, oh, il est magnifique. Vraiment, je trouve ça divin. Ça fait Coca-Cola, Noël et tout. Oh, j'aime beaucoup trop. La texture, elle est incroyable, franchement. Mais il est vraiment génial. Et c'était le dernier. Donc je suis super contente. 8€. Pas très très cher. Hein. J'ai fait ensuite des achats chez Primark.
Je me suis enfin pris un plaid carreau. Ça coûtait 20€. Donc c'est un plaid 160 x 220. C'est un plaid que je veux depuis pas mal de temps, mais à chaque fois je trouve que les qualités sont médiocres. Que ce soit chez Jiffy, chez... je sais pas, à chaque fois je trouve ça extrêmement médiocre comme qualité. Et je trouvais que la qualité était vraiment géniale. Alors à la caméra ça fait très très rouge, je vais peut-être baisser la luminosité. Vraiment la qualité, j'ai rien à redire, c'est hyper moelleux, c'est hyper doux. J'en avais vu à Costco mais c'était un peu trop cher je trouve. Mais sinon je trouve que c'est vraiment pas mal, 20€ à Primark. Ils font pas mal de choses en plus là-bas, tout ce qui est Noël. Par contre au niveau des pyjamas j'ai rien trouvé, hein. Vraiment il n'y avait rien du tout. J'ai pris ça, je trouvais ça magnifique. Je vous ai montré l'autre modèle de thé d'oreiller vert avec des petites feuilles dorées. Là moi j'ai pris celui avec les petits sapins. Donc ça, ça m'a coûté 4,50€ et je le trouve vraiment trop beau. Donc c'est du 43x43, je crois que j'ai même pas assez de coussins pour ça. Mais trop mignon, j'aime beaucoup trop. Je vais essayer de chercher un coussin à mettre dedans parce que je l'aime trop et j'ai pas de coussin. Donc vous verrez bientôt ma décoration de Noël, enfin tout ce que j'ai fait dans l'appartement avec les coussins, avec les plaids, avec les décorations de l'appartement, avec les guirlandes, etc. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai pris des cotons et des culottes, je vous les montre pas forcément parce que c'est pas très intéressant. Chez Maison du Monde, j'ai fait vraiment des belles découvertes. Je trouve que Maison du Monde, soit leur prix ils ont baissé, soit c'est Jiffy qui a augmenté leur prix. Parce que je suis allée chez Jiffy pour acheter des petites gamelles pour mon chat. Sauf que j'ai vu les gamelles, c'est sur 6€ ou 7€. Je me suis dit waouh, pas abusé non plus. Donc je suis allée chez Maison du Monde et j'ai trouvé vraiment des pépites. Et puis c'est pas très très cher je trouve. Donc j'ai pris des gamelles pour mon chat. Alors j'ai pris sur un socle, je sais pas si ça va lui plaire hein. Donc c'est sur un petit socle en bambou comme ceci. Ça a coûté 19,99€. Et vous avez avec les petites gamelles. Donc c'est des gamelles comme ceci. Avec des petites moustaches à l'intérieur et tout. Des petites oreilles de chat. Et donc ça se présente comme ça. Et je trouve ça trop kiki. Donc l'état ça sonne quand même un peu petite entre guillemets. Trop beau. Sachant que ça coûte genre à Maison du Monde. Un truc comme ça, 5€. Donc c'est déjà moins cher qu'à Jiffy. Et c'est de la meilleure qualité, je trouve. Et je trouve ça assez sympathique. Ça change de mettre ça juste dans un petit bol action. Enfin, c'est pas très joli. Là, au moins, il aura vraiment des gamelles à lui. Et je pense qu'il va être content. Ensuite, j'ai pris ça. C'est un truc que je veux depuis pas mal de temps pour prendre les cadeaux de Noël. Donc c'est un espèce de sac. Comme ceci, c'était à moins 50%. J'ai cru que c'était à 18€. J'ai mal vu, en fait. Non, c'est à 12,99€. Donc je suis super contente, en fait c'est un sac où tu peux mettre les cadeaux dedans. Et moi je vais faire ça, je vais mettre tous les cadeaux dedans quand je vais les emballer. Donc c'est marqué Special Gift, Delivery from Santa, 25 décembre. Voilà, je trouve ça très très beau, c'est en jute. Et très belle qualité encore une fois, c'est du Maison du Monde. Et je trouve vraiment pas ça cher, 6€. À Truffaut, il y a un peu la même chose. Mais c'est genre 10 ou 15€ pour une qualité un peu moins bien, je trouve. Donc ouais, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça fait tellement longtemps que je le veux et j'attendais de prendre ma décision, entre guillemets. En fait, je veux changer mes petits bocaux qu'il y a au-dessus de mon micro-ondes. Donc c'est des bocaux qui venaient de chez Action. Je pense que je vais les vendre sur mon Vinted avec Sugar, Coffee and Tea. Parce que je les aime plus trop, c'est plus trop mon style. Donc j'ai préféré prendre ça. Donc c'est un grand, enfin c'est un grand bocal. En tout cas, c'est 13€. C'est avec un petit truc comme ça en bambou avec marqué coffee et je trouve ça tellement joli et ça fait tellement longtemps que je le veux et j'espère qu'ils le font aussi en sugar et en tea, mais en tout cas c'est hyper joli, c'est ce qu'on, enfin moi j'adore ça, je mets le coffee Nespresso à l'intérieur et je mets dans un bocal en verre tout ce qui est Starbucks pour qu'on puisse voir les couleurs, sinon le Nespresso on s'en fout un peu des couleurs, donc personnellement je mets ça dedans et basta. Ensuite, je me suis arrêtée à Sephora parce qu'il me fallait un anti-cerne. Et c'est la première fois que je me l'achète, cet anti-cerne-là. C'est l'anti-cerne Tarte. Donc moi, j'ai pris la teinte 12N Fer Neutral. J'espère que ça m'ira. Je l'ai testé sur la main. Ça avait l'air d'aller. Ouais, je pense que ça ira. Je suis très très blanche, moi, comme fille. Donc je pense que ça pourrait le faire, je vais le tester demain. Bon, en tout cas ça coûtait 27€, c'est assez cher. Et ils font plein de coffrets cadeaux à Sephora. Franchement si vous n'avez pas d'idée, allez à Sephora. Ils font des petits trucs à mettre dans le sapin, vous savez, pas très 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 cher. Pour les gens qui ont un budget d'environ 10€, vous avez vraiment des belles choses à prendre à Sephora. Donc voilà, au niveau des cadeaux de Noël, ben, je n'ai rien acheté pour les gens. Mais en tout cas voilà pour tout ça. Je pense que je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Genre j'ai des partiels à réviser, j'ai tout ça à ranger parce que c'est un vrai bordel. Il y a pas mal de bordel dans l'appartement, donc je vais essayer de bien réviser. Je vais manger un coup aussi parce que j'ai pas mangé.
Il est actuellement 16h12, donc je vais tout ranger et je vais m'attaquer à tout ce qui est instruments monétaires et tous les calculs de taux d'intérêt, les machins, les ceci et cela, parce que c'est jeudi mon partiel. Quand vous verrez ce vlog, ça sera déjà passé, mais voilà, il y a ce partiel là jeudi et sinon vendredi qui arrive. J'ai aussi un autre partiel de maths, donc ça va être long. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.